Gloire à Dieu, amen. Alors, comme vous le savez, l'Église Évidence participe activement à une œuvre qu'elle a consacrée. C'est l'ONG de Madagascar et la directrice de l'ONG va nous parler de cette ONG. Guylaine, est-ce que tu veux intervenir, s'il te plaît ? Bonjour. Alors, je suis la directrice communication. Hein. Je ne suis pas la directrice de l'ONG. Je tiens à rectifier. C'est déjà beaucoup, hein, je peux vous dire. Alors, je voulais vous donner des nouvelles, des sujets de prière. Je vais commencer par les résultats aux examens. Alors, au niveau des certificats d'études primaires élémentaires, les CM2, tout le monde a réussi. Donc, on a 100% de réussite. Donc, bravo aux enfants. Hein. Au niveau des troisièmes, ils ont passé le brevet du collège. Et on a 9 élèves sur 17 qui l'ont eu. Donc, ça fait un pourcentage de 53%. Et au niveau du bac, 7 sur 13 l'ont eu, c'est-à-dire 54%, mais ce sont des résultats provisoires, parce qu'il y a eu des oraux. Et les oraux ont eu lieu jeudi et vendredi. Donc on devra avoir les résultats finaux cette semaine. Voilà, donc concernant la rentrée, parce qu'il y a enfin la rentrée donc, au centre Phitaïne, pour nos enfants c'était au mois de septembre, mais pour eux donc, ça sera donc, le 30 octobre 2019. Et le jeudi 31, il y aura une cérémonie avec un culte de rentrée scolaire. Donc les parents d'élèves seront présents et on aura donc 60 nouveaux petits qui vont arriver. Et ces 60 nouveaux petits, ils ont besoin d'un parent ou d'une marraine. Donc je fais l'appel. Si parmi vous, il y en a qui sont intéressés à devenir parrain ou marraine à hauteur de 20 euros par mois, eh bien vous pouvez le faire. Et puis vous pouvez aussi diffuser l'information auprès de votre entourage parce qu'il y a des personnes chrétienne ou pas, qui aspire à participer à une œuvre humanitaire. Donc n'hésitez pas, à l'arrière j'ai mis des bulletins, des plaquettes, des dépliants, donc vous pouvez récupérer une plaquette, et si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter, il y a le numéro de téléphone, donc justement sur la plaquette. Alors, la rentrée c'est le 30 octobre, et le 6 novembre, on va avoir une journée spéciale au centre Phitaïne. Je vous rappelle, je vous remets en mémoire que depuis des mois et des mois, nous prions pour l'ouverture du cabinet d'ophtalmologie. Vous vous rappelez de ça? Eh bien, nos prières ont été entendues. Le mercredi 6 novembre, on aura une journée de dépistage des problèmes de vue au centre Phitaïne avec la fondation Lions Club. Donc, en fait, eux, c'est une entité au sein de la fondation, vous avez une entité qui est spécialisée dans les problèmes de dépistage de vue, de soins des yeux. Et donc, la présidente de cette association est venue au centre Phitaïne au mois de septembre. Elle est malgache. Elle a été vraiment enthousiasmée par le travail que nous faisons auprès des plus démunis de sa population. Et de ce fait, elle a pris le taureau par les cornes et nous a proposé donc d'organiser cette journée. Donc, c'est ouvert à tout public. Ils vont eux-mêmes faire la publicité auprès de la population alentour donc, du centre Phitaïne. Et ils vont organiser deux sessions par la suite pour soigner les personnes qui auront été dépistées. Et puis, par la suite, ils nous proposent de nous mettre à disposition leur ophtalmologue. Alors ça, je peux vous dire qu'enfin, nous avons été entendus. Hein? Donc, pour l'année 2019-2020, ça sera deux fois par mois. Et si ça se concrétise de manière concrète en fait, avec eux, je veux dire, eh bien, ça aura lieu donc deux fois par semaine sur l'année 2020-2021. Donc, vraiment, merci au Seigneur. Merci aussi à vous pour vos prières. Parce que j'ai retenu une phrase du pasteur Yonggi Cho pendant que j'étais à Séoul. Il disait que la personne la plus dangereuse pour l'ennemi, c'est la personne qui prie. Je voudrais vraiment que vous reteniez cela. Quand on prie, les choses bougent. Voilà, et c'est le cas, regardez, par exemple, le cabinet d'ophtalmologie. J'ai une dernière annonce à vous faire. Nos étudiants, parce qu'on en a de plus en plus, ont besoin d'ordinateurs portables. Pas d'ordinateurs de bureau, hein. Ordinateurs portables. Donc, si
vous en avez que vous n'utilisez plus, n'hésitez pas à venir me voir et on va les apporter donc à Madagascar. Voilà. Et puis, pour terminer, j'ai quand même oublié de dire quelque chose. C'est que mardi, donc, Pasteur Fourchet et Christine vont partir avec 4 personnes donc, au centre Fitaïn à l'occasion de la rentrée scolaire. Ils vont partir bien chargés. Et donc, si parmi vous, il y a une personne qui ne travaille pas mardi matin, qui habite pas loin du centre évidence et qui dispose d'un véhicule espace, merci de me contacter. D'accord ? Que Dieu vous bénisse. Voilà. Et maintenant, on va écouter une voix extraordinaire que vous connaissez. C'est un homme talentueux. C'est le pasteur Abraham qui va nous interpréter une chanson. Bravo. On aura des choses à régler après, Hakim. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos sino en el nombre de Jesús. Évidemment, vous n'avez pas compris parce que c'est l'espagnol. Mais au ciel, vous allez comprendre puisqu'au ciel, nous ne parlons que l'espagnol. Voilà. Pardon ? Un, deux. Ah, c'est bon ? Bon, on va tout faire. Voilà. Justamente en español es una canción que quiero cantar, que canté el otro día y que habla acerca del nombre del Señor Jesucristo. En honor a todos los hermanos que sufren por la causa de Cristo. Sabes, como decía Kim tout à l'heure, il y a en ce moment beaucoup de persécution. Nos pays sud-américains sont très troublés aussi, particulièrement je suis du Chili. Et vous avez entendu les nouvelles. Et je vois des chrétiens que parmi toutes ces persécutions, que ce soit en Algérie, que ce soit tous ces problèmes sociaux, il y a quand même le nom de Jésus-Christ qui est annoncé. Il y a des troubles, il y a des ténèbres, il y a des difficultés, il y a de la persécution. Mais ce matin, nous proclamons le nom de Jésus-Christ. Et en honneur au Seigneur, en honneur à tous ces frères et sœurs qui proclament le Seigneur, malgré toutes ces choses, j'aimerais essayer de chanter ce chant qui a écrit Jacques Fragianelli, qui j'ai traduit juste une petite, quelques deux, trois phrases en espagnol, « Puisse-t-il me pardonner ?» Mais il est déjà à la gloire, il ne peut rien faire. Voilà, ça s'appelle « Ton nom ». Gisela va m'accompagner, merci Gisela. Et j'aimerais la remercier parce qu'elle pallie à ma pauvre voix avec le piano. Elle joue excellent. Más bello poema, tu nombre es la más bella canción, tu nombre es aquel que yo amo. Regalo más grande, je le glorifierai et je l'exalterai
je le proclamerai sur la terre des hommes. Je parlerai de toi, je porterai ta croix, toujours je chanterai Jésus seul nom qui sauve. Ton nom humilié sur la terre, ton nom méprisé par les tiens, ton nom, c'est en lui que j'espère, ton nom, c'est le nom des chrétiens. Je le glorifierai et je l'exalterai, je le proclamerai sur la terre des hommes. Je parle de toi, je porterai ta croix, toujours je chanterai Jésus seul nom qui sauve. Grand salut pour les humains, ton nom qui apporte la paix, ton nom, c'est le roi qui revient, oh, ton nom, symbole d'éternité. Je le glorifierai et je l'exalterai, je le proclamerai sur la terre des hommes. Je parlerai de toi, je porterai ta croix, toujours je chanterai Jésus seul nom qui sauve. Merci Gisela, merci beaucoup. Maintenant, on va entendre notre sœur Gisela qui va intervenir. Oui.
Pour ma part, j'ai fait le choix également ce matin d'un chant que Jacques Fagianelli a écrit. Alors, je ne l'ai pas traduit en espagnol. En revanche, j'ai modifié deux phrases. Je pense aussi que Jacques n'aura rien contre, étant auprès du Seigneur maintenant. Nous partirons un jour, voulant laisser trois doigts d'amour, quelques notes de musique, quelques éclats de rire. Nous partirons sûrement un jour. On ne fait que passer trois petits tours terminés, un trait de plume en est rayé. Je partirai un jour, laissant mes cartons à chansons, refermant mon piano, éteignant mon micro. Je partirai sûrement un jour, quelques CD rayés, quelques photos jolies, de beaux souvenirs, c'est ça la vie. Mais sa parole restera. Partirons un jour dans un océan de lumière, car sa parole nous dit, j'ai préparé une demeure. Qu'une séance.
Voilà, merci Gisela. Gracias a nuestra hermana Gisela. Merci Pasteur Abraham. Gracias a nuestro hermano. Nous nous sommes fait du bien en entendant ces chants. Dios nos bendice a través de los cánticos. Pardon Pasteur Benjamin, j'ai mal calculé mon coût pour l'offrande. Calculamos mal para el cántico de la ofrenda, perdón Mais hermano. Vous avez assuré merveilleusement. Pero cantaron muy bien, gracias. C'était super de voir ce groupe de louanges ce matin, que Dieu vous bénisse richement. Dios les bendiga, mis hermanos. Vous savez que de temps en temps, on fête un anniversaire, ce n'est pas régulier, mais de temps en temps, on veut honorer nos bien-aimés qui prennent de l'âge. Y a veces celebramos cumpleaños de personas que van teniendo cierta edad. Est-ce que notre sœur Vivienne est là? Vivienne, oui, venez me retrouver. Voilà, quelques mots au sujet de Vivienne. Unas palabras de nuestra hermana que cumple años. C'est une chère sœur qui est un modèle pour nous. Es un modelo para nosotros. Vous êtes encore plus belle aujourd'hui. Alléluia. Hoy día está más bella que otros días. Alors je sais pas si je me suis trompé ou pas, mais il paraît que vous avez pris 3 fois 20 plus 10. Oh Seigneur. 3 por 20 más 10. C'est vrai? C'est beau. C'est beau? Trop beau et c'est pas fini. Ah. Jusqu'à combien vous comptez aller? Il le sait. On a voulu. Oh Seigneur, j'ai pas qu'on. Oh mon Dieu. J'ai pas qu'on parle de mon anniversaire. Si, si, tournez-vous, les gens veulent vous voir. une jolie femme comme vous. Hein. Mais les gens qui me connaissent bien le savent. Notre sœur. Malgré les difficultés, les luttes et les combats, a pesar de las batallas que ella tiene, est toujours fidèle au poste. Siempre ha sido fiel aquí en la iglesia. Alors, on a voulu vous donner quelque chose. On avait pensé à des fleurs, mais les fleurs, c'est périssable. Queremos darle un regalo. Voilà. Donc, ça, c'est pour votre fille. Que Dieu vous bénisse. El 2 de noviembre, entonces, le festejamos hoy día. Que Dios le bendiga. No, j'ai une voix qui porte. Oui, c'est vrai. Je suis né le 2 novembre, c'est le jour de la fête des morts. Je mourrai après tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Alors, si j'ai bien compris, vous nous enterrerez tous. Alors. Il y en a qui veulent partir, mais il y en a qui veulent rester. Hein. Merci Sylvie pour ton témoignage. Gracias por su testimonio, hermana. Je disais au pasteur Abraham, assis à côté de moi, il n'y a pas un frère qui ferait aussi bien. No habría un predicador mejor que ella. Voilà, comme... Vous l'avez vu dans les 30 secondes de la vidéo. En los 30 segundos del video que vimos. Nous étions à Séoul. Estábamos en Séoul. Et ce qui me frappe chaque fois que j'y vais, puisque j'y vais depuis 20 ans. Lo que siempre me llama la atención, hace 20 años que voy. C'est les deux axes que le pasteur Cho a donné à l'église. Son los dos puntos importantes que le dio a la iglesia el pastor Cho. Deux orientations différentes. Dos orientaciones diferentes. La première orientation. La primera es. C'est la prière. Es la oración. La prière. La oración. Et encore la prière. Y la oración. Et la deuxième orientation. Y la segunda orientación. C'est la recherche dans le baptême de l'esprit. Es la búsqueda del bautismo del Espíritu Santo. Dans les dons spirituels. Con los dones del Espíritu. Dans une vie chrétienne conduite par l'esprit. En una vida llevada por el Espíritu. Chaque fois que je vais à Séoul, y cada vez que yo voy a Séoul, c'est l'occasion pour moi d'un moment fort. Siempre es un momento bastante fuerte para mí. Mais surtout d'un moment fort quand je pense à la France et à Évidence. Y cuando pienso sobre todo en Francia en esta iglesia Évidence. Alors que j'étais en train de dormir, j'ai été réveillé. Estaba durmiendo y de repente fui despertado. Et je pense que le Seigneur a mis sur mon cœur un texte de l'Écriture à ce moment-là.
y pienso que el Señor puso un texto de la Escritura pour le culte en commun. Para este día. Pour ce culte-là, por este culto de hoy día. Je vous rappelle que le culte en commun est un défi extraordinaire. Es un desafío este culto extraordinario. Des gens de différentes cultures. Diferentes culturas. De différentes langues. Diferentes lenguas. De différents peuples. Pueblos diferentes. Se retrouvent pour pouvoir prier ensemble et louer le Seigneur ensemble. Estar juntos y orar juntos y adorar a Dios juntos. C'est un miracle. Es un milagro. Et nous pouvons bénir Dieu pour cela. Y queremos bendecir a Dios por ello. Dans la nuit donc j'ai été réveillé. Fui despertado en la noche. Et il m'est venu un texte que nous allons lire ensemble. Y un texto que me vino a mi mente. Mais avant de lire ce texte, y antes de leerlo, j'aimerais vous dire que ce que j'ai sur le cœur n'est pas particulièrement agréable. Y quizás lo que está en mi corazón no es muy agradable. Ne m'en veuillez pas. No se enoje conmigo. Mais mon désir profond, pero mi profundo deseo, c'est que vous sachiez que je vous aime. Sepa que le amo. Chacun en particulier. A cada uno en particular. J'ai une affection réelle pour chacun d'entre vous et chacune d'entre vous. Una afección personal por cada uno de ustedes. Et je dis pas cela pour me faire bien voir. Y no es para que me vean bien. Je dis pas cela par sentimentalité. O por algún sentimiento solamente. Ou pour vous flatter. O solamente por darles un gusto de serlo. Mais je le dis parce que c'est une réalité. Lo digo porque es una realidad. Le plus petit d'entre vous. El más pequeño entre ustedes. A du prix à mes yeux. Tiene a mis ojos. Voilà le texte que nous avons, que j'ai reçu et que nous allons lire, c'est dans Esdras. Es en el libro de Esdras. Chapitre 3, verset 12. En el capítulo 3, versículo 12. Mais plusieurs des sacrificateurs et des lévites et des chefs de famille âgés qui avaient vu la première maison pleuraient à grand bruit pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondements de cette maison. Beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie par des cris. Pero muchos de los sacerdotes y levitas y jefes de casas paternas, los ancianos que habían visto el primer templo, cuando se echaban los cimientos del templo, delante de los ojos lloraban en alta voz mientras muchos daban gritos de alegría. En sorte qu'on ne pouvait distinguer le bruit des cris de joie avec le bruit des pleurs parmi le peuple, car le peuple poussait de grands cris dont le son s'entendait au loin. Y el pueblo no podía distinguir entre el clamor de los gritos de alegría y el clamor del llanto del pueblo, porque el pueblo gritaba en alta voz y se oía el clamor desde lejos. J'aimerais vous rappeler tout d'abord pourquoi le temple à ce moment d'Esdras est en reconstruction. Quiero dar un poco de contexto por qué Esdras está. ¿Qué es lo que está sucediendo en el templo? Le peuple d'Israël n'est pas resté fidèle à sa vocation. El pueblo de Israel no fue fiel a su llamado. Et les ennemis d'Israël sont venus et ont détruit la ville de Jérusalem et le temple. Y los enemigos de Israel destruyeron la ciudad, el templo y los muros del templo. Et ça a duré pendant beaucoup d'années. Durante muchos años. Jusqu'au moment où Dieu a fait grâce pour une reconstruction du temple. Hasta que un día Dios decidió para reconstruir de nuevo el templo. Mais la reconstruction du temple était beaucoup moins importante et beaucoup moins glorieuse que la première construction. Y la construcción de este templo tenía menos gloria que el templo que había sido construido y había sido destruido. Et pendant que je regardais ce texte, y mientras yo veía este texto, il m'est revenu à l'esprit ce que me disait une personne pendant notre séjour. Y me volvió a mi mente lo que alguien me dijo estando allá. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes à Séoul? ¿Qué siente usted cuando está aquí en la ciudad de Séoul? Et j'ai répondu. Y yo respondí. De la joie. Alegría. Et des pleurs. Y lloro. De la joie parce que de voir comment Dieu encore au 20e siècle, 21e siècle, comment Dieu agit. Y ver la alegría de cómo Dios actúa en este siglo todavía. Como Dios agit en Corea. Como Dios actúa en Corea. Mais beaucoup de tristesse. Y mucha tristeza. Beaucoup de pleurs. Mucho lloro. Devant la réalité de l'Église en France. Ante la realidad de la Iglesia en Francia. Et en particulier devant la réalité de l'Église évidente. Y quizás la realidad de nuestra propia Iglesia. Alors, on peut penser que je suis défaitiste. Quizás pueden pensar que soy defetista. Mais je regardais les informations hier. Ayer vi las informaciones. Et le commentateur disait l'effervescence sur la surface de la terre. Y el comentador decía la efervescencia sobre la faz de la tierra. Des manifestations partout.
manifestaciones por todas partes. Et je pensais à ce texte de l'Écriture. Yo pensé en ese texto de la Escritura. Dans les derniers temps. En los últimos días. Il y aura des guerres, des bruits de guerre. Habrán guerras, rumores de guerra. Il y aura toutes sortes de problèmes. Y todo tipo de problemas. Et si Dieu ne raccourcissait le temps, qui pourrait être sauvé? Y si Dios no corta el tiempo, ¿quién sería salvo? J'aimerais vous reparler du premier temple. Quiero hablarles de nuevo del primer templo. Le premier temple voulu par David. El primer templo que David quería construir. Et construit par Salomon. Fue construido por Salomón. Était extraordinaire. Era extraordinario. Par son ampleur. Por su lo grande que fue. Par sa richesse. Su riqueza. Par sa beauté. Su belleza. Je regardais les textes pour m'en imprégner. Y leía los textos para impregnarme del mensaje. Et il nous est dit qu'il y avait du bois de cèdre sans nombre. Había cedro sin número. De l'airain en quantité telle qu'on pouvait pas la compter. Había bronce sin contar. Et un peu plus loin, il est écrit pour la maison de l'Éternel, David a fait mettre 100 000 talents d'or, 1 million de talents d'argent. 100 000 talentos de oro que era mucho dinero. L'or, l'argent, l'airain, le fer, oro, sans fierro, nombre. Sin contar. David a fait mettre de côté tout ce qui était nécessaire pour la construction du temple. Todo lo que se necesitaba para construir, David lo puso de lado. Lui n'a pas pu le construire. Él no pudo construirlo. Et cela m'a fait penser au Seigneur lui-même. Y me hizo pensar en el mismo Señor. C'est pas lui qui a construit l'église sur la terre. No fue él que construyó la iglesia en la tierra. Mais il a préparé les matériaux. Preparó los materiales. Il a préparé des matériaux exceptionnels et extraordinaires. Materiales excepcionales. Je pense à l'apôtre Pierre. Pienso en Pedro. Pierre qui était capable de marcher sur l'eau. Pedro que podía caminar sobre las aguas. Souvent j'entends prêcher sur Pierre. A veces oigo de Pedro. On parle du doute qu'il a eu quand il s'est enfoncé dans l'eau. Siempre se habla de la duda que cuando se hundió sobre el mar. Mais moi j'aime parler de Pierre par la foi qu'il a eu de sauter par-dessus la barque. Pero qué fe tuvo para saltar sobre el agua. Pierre était un homme d'action. Pedro un hombre de acción. Pierre était un homme de foi. Un hombre de fe. Pierre était un homme particulièrement solide dans ses convictions. Tenía solidez en sus convicciones. Et Pierre a été ce matériau avec lequel l'Église a commencé à naître. Y Pedro fue el material para que la iglesia creciera. Je pense à Paul. Pienso en Pablo. Qui a mis les fondements de tant d'églises dans l'Asie mineure de l'époque. Puso los fundamentos en tantas iglesias en Asia Menor. Dans l'Europe. En Europa. Christ a rassemblé par l'Esprit des quantités de matériaux. Jesús unió todos esos materiales. Et à ce moment-là, l'Église a commencé à naître. Y así empezó a nacer la iglesia. Et Salomon symbolise là l'action de l'Esprit. Y Salomón simboliza l'action del Espíritu. Quand on regarde le temple de Jérusalem dans sa première construction, cuando vemos la primera construcción del templo, en Jerusalén. Lors de la dédicace, c'était incroyable. Aquel día de la dedicación fue increíble. Le roi Salomon a immolé 22 000 bœufs et 120 000 brebis. Más de 100 000 ovejas sacrificaron ese día. Et les lévites étaient là avec les instruments, jouaient de la musique. Y los levitas cantaban y adoraban a Dios. Et puis ils chantaient car sa miséricorde dure à toujours. Y cantaban porque su misericordia es para siempre. Les sacrificateurs sonnaient de la trompette. Los sacrificadores sonaban la trompeta. Tout Israël était là. Y todo Israel estaba ahí. Et ils firent la dédicace pendant 7 jours. Y dedicaron durante 7 días el templo. Ils ont fait la fête pendant 7 jours. Festejaron 7 días. Et tout d'un coup, y de repente, la nuée de l'esprit, la nuée de la présence de Dieu est descendue. La nube de la gloria descendió en el templo. Vous n'auriez pas aimé vivre cela? Comment no vivir esas cosas? Eh oui, c'était le temple. Era el templo. Et il nous est dit, la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. La gloria de Jehová llenó la casa. Lorsque le Seigneur était sur la terre, cuando el Señor estaba en esta tierra, à un moment donné, alors que la foule était rassemblée autour de lui, cuando estaba la gente reunida alrededor de él, le Seigneur rempli de l'Esprit a parlé. El Señor lleno del Espíritu habla. Il a fait des miracles. Hizo milagros. Et la Bible nous dit qu'à ce moment-là, y en ese momento dice la Biblia, on a pensé que le royaume des cieux allait se manifester sur la terre. Se pensaba que el reino de los cielos se iba a manifestar sobre le la tierra. Le Seigneur portait avec lui cette action de l'Esprit exceptionnelle. El Señor traía esa acción del Espíritu excepcional. Et puis, le Seigneur est reparti. Y luego el Señor se fue.
Ce premier temple nous parle de la présence de Dieu qui habite au milieu de son peuple. Ese templo nos habla de la presencia de Dios que habita Dios en medio de su pueblo. Et le Seigneur est venu habiter au milieu de son peuple. C'est lui le temple en esprit que Dieu a donné pour le monde. Y él vino a habitar en medio del templo. Es el templo que Dios dio. L'apôtre Paul nous dit car en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Pablo dice que la divinidad, Cristo en él habitaba corporalmente la deidad, totalmente. Et l'apôtre Jean dira et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous. Y la palabra se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Pleine de grâce et de vérité. Lleno de gracia y de verdad. Nous avons contemplé sa gloire. Contemplamos su gloria. Comme la gloire unique. Como la gloria única. Du Fils de Dieu. Del Hijo de Dios. Frères et sœurs. Hermanos, hermanas. Le premier temple a été extraordinaire. El primer templo fue extraordinario. La personne de Jésus a été extraordinaire. La persona de Cristo fue extraordinaria. Et puis l'Église, la première Église. Y la primera iglesia. Celle que le Seigneur a voulu. Aquella que el Señor quería. Cette première Église, c'est la présence de Dieu sur la terre. La primera iglesia es la presencia de Dios sobre la tierra. Aujourd'hui encore, c'est la présence de Dieu sur la terre. Y sigue siendo la presencia de Dios sobre la tierra. Quand on me demande si la grande tribulation aura lieu avant l'enlèvement de l'Église ou après. Cuando me preguntan si la gran tribulación va a ser llevar a cabo antes o después que la iglesia sea quitada. Pour moi, il n'y a pas de doute. Para mí no hay duda. La grande tribulation viendra après que l'Église ait été enlevée. La gran tribulación vendrá después que la iglesia sea quitada. Parce que tant que l'Église est là. Porque mientras esté la iglesia. Le Saint-Esprit est là. El Espíritu Santo está aquí. Tant que l'Église est là. La iglesia está, el Espíritu de Dios. Des hommes et des femmes prient. Los hombres de Dios oran. Des hommes et des femmes sont attachés au Seigneur. Tocados por el Espíritu. Et le diable ne peut pas faire ce qu'il veut. Y el diablo no puede hacer lo que quiere. C'est impossible. Es imposible. Ce qui retient le déferlement du péché, de la haine et de la violence, c'est l'Église. En la iglesia que detiene, que frena el mal en este mundo. Et dans les pays où l'Église est persécutée, y en los países donde la iglesia es perseguida, la violence va se manifester. La violencia la se haine manifiesta. Va se manifester. El odio se manifiesta. Les ténèbres vont se Las manifester. Tinieblas se manifiestan. Les premiers chrétiens. Los primeros cristianos. Ont été appelés chrétiens à Antioche. Fueron llamados en Antioquía por primera vez cristianos. C'est pour la première fois que les disciples de Christ ont été appelés chrétiens. Ahí fue la primera vez que fueron llamados así. Arrêtons-nous quelques instants sur ces chrétiens de la première heure. Un minuto aquí para decir esto. Ceux qui se convertissaient ne furent pas les adeptes d'une religion ou d'une philosophie. No se convertían a una filosofía, no eran adeptos de una filosofía. Mais la Bible nous dit sur le cœur vivement touché. Pero la Biblia dice que eran tocados el corazón. Frères et sœurs, hermanos, repensons à la première église. Pensemos en aquella iglesia. À ces chrétiens de la première heure. A esos cristianos de la primera hora. Qui en entendant le message de l'apôtre Pierre se sont convertis. Que se convirtieron cuando oyeron el mensaje de Pedro. Pourtant Pierre ne les a pas ménagés. Pedro no empujó, no hizo alguna manipulación. Lorsqu'ils ont posé la question, hommes frères, que devons-nous faire? Cuando preguntaron varones, ¿qué haremos? Il leur a dit, vous avez crucifié le Fils de Dieu. Él dijo, crucificaste vous l'avez livré. De la vida. Lo crucificaron. Vous avez mis votre suffrage au même niveau que ceux des païens. Ustedes se comportaron como los paganos. Il leur a parlé, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Y lo hicieron morir por mano de inicuos. Et ils ont eu le cœur vivement touché. Y sus corazones fueron tocados por la gracia. Que Dieu soit béni pour cette première église. Qué gloriosa iglesia, la primera iglesia. Et la Bible nous dit qu'ils ont eu besoin à un moment donné de se rassembler. Y necesitaron reunirse en un momento. Avez-vous remarqué que ceux qui ont la même foi, la même espérance, ont besoin de se retrouver? Los que tienen la misma esperanza, la misma fe, necesitan unirse. Ils étaient tous dans un même lieu, ils avaient tout en commun. Todos tenían junto, unánimes, en común. C'était un moment incroyable. Era un momento increíble. Et la Bible nous dit, ils étaient tous ensemble, assidus au temple. Y todos estaban en el templo, iban al templo constantemente. Et ils louaient le Seigneur par la prière, par la communion fraternelle. Adoraban a Dios, había comunión fraternal, etc. Quand je vois nos difficultés pour réunir, ne serait-ce qu'une fois par mois à l'intercession l'Église. Cuando veo las dificultades que hay para reunir en nuestra iglesia una vez por mes para orar. Je me dis Seigneur. Me digo Señor. On est loin de la première église. Estamos lejos de la primera iglesia. Puis il y a eu les persécutions. Luego vinieron las persecuciones.
Je lisais encore au sujet des persécutions dernièrement un ouvrage. Leí sobre las persecuciones. Est-ce qu'ils ont été découragés par la persécution? Fueron desanimados por la persecución? No. Ça les a motivés. Los motivó. Ils se sont répandus. Se multiplicaron para huir de la muerte. Et puis ils ont annoncé le message de l'Évangile. Y anunciaron el mensaje del Evangelio. Et on a même des écrits de cette époque. Hay escritos de esa época. Où les chrétiens qui n'avaient pas été condamnés étaient tristes. Los cristianos no condenados se sentían tristes. Parce qu'ils n'avaient pas été jugés dignes. Porque no habían sido encontrados dignos de sufrir por Cristo. Quand je repense à tout cela, cuando yo pienso en ello, je me dis ceci, me digo esto, ceux qui n'ont pas connu le premier temple peuvent pas comprendre. Los que no conocieron el primer templo no pueden ceux entender. Ceux qui n'ont pas réalisé la révélation de la première église ne peuvent pas comprendre. Los que no vieron la revelación de la primera iglesia no entienden. Si on n'a pas vécu ce qu'est l'église, si no vivimos lo que es la iglesia, alors on ne peut pas comprendre. Entonces no podemos entender. Comme il y a eu un second temple, hubo un segundo templo. Il y a une seconde église. Hay una segunda iglesia. Il y a une autre église que celle des premiers chrétiens. Otra iglesia que los primeros cristianos. Les siècles ont passé. Los siglos pasaron. L'église pour beaucoup est devenue apostate. La iglesia empezó a ser una apóstata. Mais Dieu a gardé au fil des siècles toujours un peuple fidèle. Pero Dios siempre guardó un remanente en la historia de la iglesia. Et on pourrait faire le récit de l'histoire de l'église. Si pudiéramos hablar sobre la historia de la iglesia. Il y a toujours eu chrétiens, siempre hubieron verdaderos cristianos qui ne se sont laissés arrêter par rien, que nada los detuvo, mais qui sont restés attachés au Seigneur, que estaban ligados fidèlement, a Cristo, fieles. Et nous connaissons tous la grande réforme de Luther. Y conocemos la reforma de Lutero. Mais qu'en est-il aujourd'hui de notre Église? Y qué es de nuestra iglesia hoy día? Qu'en est-il d'Évidence? ¿Qué es de nuestra iglesia Evidence? Quelles sont les conversions à Évidence? ¿Cuáles son las conversiones en nuestra iglesia? Sommes-nous des convertis comme du temps de la première église? Somos convertidos como en esos tiempos? Est-ce qu'on est des chrétiens comme les chrétiens de la première heure? Somos cristianos de la primera hora? Ou bien est-ce que nous sommes des adhérents? O solo somos aquellos que se han adherido a cierta des gens qui ont peur de l'enfer, hein, solo gente que tiene ou miedo de la mort, infierno, hein, o de la muerte, ou des gens qui recherchent la bénédiction matérielle, o gente que busca la bendición material, des églises qui prêchent la prospérité, iglesias que predican la prosperidad. Qu'en est-il de notre église? ¿Qué pasa con nuestra iglesia? Est-ce que les gens qui viennent ici ont le cœur touché? Si la gente que viene aquí son tocados por la gracia. Je sais pas si on peut traduire ce jeu de mots, mais est-ce que c'est la conversion par la frousse ou la conversion par la foi? ¿Es realmente una conversión genuina la que funciona en el corazón? Frères et sœurs, comme j'aimerais que nous réalisions ce qu'était la première église. Realicemos lo que fue la primera iglesia. Qu'en est-il du message d'aujourd'hui? ¿Y qué tal el mensaje de hoy día? Il faut caresser les gens dans le sens du poil. Hay que acariciar a la gente. Faut surtout pas dire les choses qui contrarient. No hay que decir cosas que traen contrariación a la gente. Il faut pas annoncer le message dans sa plénitude. No podemos dar el mensaje en su plenitud. Un jour, je me suis trouvé pris à partie par une dame. Una vez una señora me atrapó. C'était une psychologue. Ella es psicóloga. Et j'ai rien contre les psychologues, hein, on no en a tengo nada nous, hein. Contra los psicólogos. Ne pensez pas que je vous vise, hein. Nada que ver con contra ellos. Mais elle m'a dit, monsieur, vous traumatisez les gens. Pero me dijo, usted traumatiza a la gente. Alors j'ai dit, pourquoi, madame? Le dije, ¿por vous qué? Leur dites qu'ils sont pécheurs. Usted le dice que ellos son pecadores. J'ai dit, oui, vous les traumatisez. Usted los traumatiza, me dijo. Mais si tu sais pas que tu es malade, pero si tú no sabes que estás enfermo, tu iras pas chez le médecin. No irás al médico. Et quelquefois tu y vas, mais c'est trop tard. Y a veces vas y es demasiado tarde. Si tu sais pas que tu es pécheur, si no sabes que eres pecador. Si tu sais pas que tu es perdu, si no sabes que estás perdido. Si tu sais pas qu'un jour ça va partir, tu vas quitter la terre, comme nous l'avons entendu. Que un día te irás de esta tierra. Es-tu prêt? ¿Estás listo? Es-tu prêt pour l'éternité? ¿Estás listo para la eternidad? Le Sauveur t'a-t-il racheté? ¿Te salvó el Salvador? C'est un chant que nous chantions autrefois. Era un cántico que es-tu se cantaba. Prêt? ¿Estás le listo? Sauveur el Salvador va revenir. Volverá. Es-tu prêt? ¿Estás listo? Frères et sœurs, hermanos, est-ce que les prédicateurs d'aujourd'hui sont plus mauvais que ceux de la première église? ¿Son malos los predicadores de hoy día como que ceux fueron los primeros? Qui nous ont précédés?
sont tan malos y los otros eran buenos, nosotros malos. No es eso. Les prédicateurs sont pas plus mauvais. Los predicadores no son malos. Les temps ont changé. Los tiempos cambiaron. Mais le message de l'évangile n'a pas changé. Pero el mensaje del evangelio no ha cambiado. Le message de l'évangile est toujours le même. Es el mismo mensaje. Frères et sœurs, un jour une jeune fille me disait. Un día una joven me decía. Vous savez, je suis quelqu'un de très sensible. Me dice, yo soy muy sensible, me dijo. Ah. Elle me dit, oui, quand je vois un petit oiseau qui tombe du nid, ça me met les larmes aux yeux. Cuando cae un pajarito de su nido, yo lloro. Et si je vois un chat ou un chien qui se fait écraser, alors ça me fait les larmes aux yeux. Si veo un gatito que atropellan, yo me pongo a llorar. Et elle me disait très gentiment ceci. Y me decía gentilmente. Même vous, pasteur, si vous arrivez quelque chose, ça me ferait aussi les larmes aux yeux. Aún si a usted le pasara algo, yo también lloraría Après por usted. Après les chiens et les chats écrasés, le pasteur écrasé. Después de los gatos y yo, pues, es lo mismo para ella. Elle s'appelait Patricia, cette jeune fille. Se llamaba Patricia. Et je lui ai dit Patricia. Le dije Patricia. Je suis étonné que vous soyez aussi sensible. Estoy tan sorprendido que sea tan sensible. Quand il s'agit des choses qui ressemblent à rien. Cuando a veces son cosas que no sirven Et de quand nada. Quand je vous parle de l'amour de Christ Pero manifesté au calvaire, le hablo, vos yeux restent secs. Cuando le hablo el amor de Cristo, sus ojos no lloran. Quand je vous dis que Dieu vous a aimé d'un amour tellement fort qu'il a donné ce qu'il avait de plus précieux, son Fils. Cuando le hablo de Cristo que murió por usted, pues sus ojos quedan secos. Frères et sœurs, quand on parle de la croix, cuando hablamos de la quand cruz, on parle du sang qui a coulé à Golgotha, de su sangre derramada, quand on parle de la haine qui s'est manifestée, on ne peut pas s'imaginer y del odio, quelle haine il y a eu à Golgotha. El odio que hubo en el Golgotha. Je ne parle pas d'excitation passagère, no hablo de excitaciones pasajeras, mais d'une prise de conscience. Pero de tomar conciencia. Christ est mort pour moi. Cristo murió por mí. Ça devrait me saisir. Debería suceder algo en mí cuando Ça devrait digo esto. Me bouleverser. Debería traer un cambio en mi vida. Ça devrait faire une telle réaction dans mon cœur. Debería haber una reacción en mi corazón. Dans les années fin des années 50, début des années 60. Fin de los años 50. Il y avait un chanoine qui s'appelait le révérend Père Chéri. Je ne sais pas si tu te souviens. Había un monje llamado. Ya dio el nombre. Il portait bien son nom. Il s'appelait Chéri. Se llamaba Chéri. Et il a écrit un livre, y escribió un libro qui s'intitulait L'offensive des sectes. Llamado La ofensiva de las sectas. J'étais un jeune adolescent de 13 ans peut-être à l'époque. Yo tenía 13 años Quand en mes parents época. Sont allés pour l'écouter, ils parlaient dans une grande église catholique à Caen. Hablaba en una gran iglesia católica. Alors il a dit beaucoup de choses sur les sectes. Habló de las sectas, mis padres lo oyeron. Et en particulier sur les pentecostistes. Y especialmente sobre los pentecostales. Mais il a dit quelque chose qui m'a frappé, que j'ai relevé depuis. Y yo guardé algo que dijo él. Il a dit ceci. Dijo esto. Les pentecostistes nous ont appris une chose. Los pentecostales nos enseñaron algo. C'est qu'aujourd'hui encore. Que hoy día todavía. On peut faire vibrer les foules au seul nom de Jésus. La gente vibra solo por el nombre de Cristo. Madonna fait vibrer les foules. Cantantes oui. pueden hacer gritar a la gente. Les joueurs de foot. O los futbolistas. Moi, quand je vois le sport, moi j'aime beaucoup le sport. Quand je suis assis dans mon fauteuil et que je regarde la télé. A mí me gusta et el deporte. Et je dis, allez-y, courez. Y cuando yo le digo, corran, corran. Mais mes frères et sœurs, vous avez vu la passion? Pero hay una pasión. Pour le sport, pour la chanson, pour le showbiz. La música, el deporte. Mais nous, les chrétiens, est-ce que nous sommes capables de vibrer? Vibrar por Cristo nosotros? Est-ce que nous sommes capables d'avoir les mêmes réactions pour la bonne cause? O las mismas reacciones por la causa correcta. Je ne sais pas s'il y a des Brésiliens au milieu de nous. No sé si hay brasileños. Mais mes premiers voyages au Brésil, las primeras veces que fui a Brasil, suis allé assez souvent, fui algunas veces, mais j'étais allé dans une église qui était dans un quartier déshérité, y fui a una iglesia donde era un lugar pobre, et là j'ai vu ce que c'était que de vibrer au nom de Jésus. Y vi lo que es vibrar por el nombre de C'est Cristo. Des gens qui n'ont pas grand-chose, vivent dans les favelas. En los lugares llamados favelas. Ils ont des cabanes de briques et de broc. Hein. Tienen ahí cabañas hechas de esteras, pas d'argent, sin dinero, mais ils aiment le Seigneur. Pero aman a Dios. Alors quand je prêchais sur la croix, cuando yo predicaba de la cruz, je voyais les gens sortir leurs mouchoirs, sacaba la gente su pañuelo, et commençaient à pleurer, y lloraban.
quand je parlais des clous, y de, la, de los clavos, de l'angoisse, de l'angustia, de la violence, de aquella violencia, alors les gens pleuraient. Y la gente lloraba. Ils étaient saisis. Porque hacían tocados. Et puis, je continuais mon message. Y continuaba mi mensaje. Et je disais, mais le troisième jour, il est sorti vivant du tombeau. Y el tercer día resucitó. Alors les gens se levaient. La gente se levantaba. Et les gens adoraient le Seigneur. Y ellos adoraban a Dios. Vibraient au nom de Jésus. Vibraban al nombre de Cristo. Et ça, c'est quelque chose d'important. Y eso es importante. Nos cultes, nos réunions. Nuestros cultos, nuestras reuniones. Mériteraient que l'on vibre. Merecen que vibremos por él. De quelle façon les premiers chrétiens vivaient-ils cette communion fraternelle? De qué manera vivían ellos, estos cristianos, la comunión fraternal? Ils avaient donné au Seigneur leur vie. Dieron sus vidas al Señor. Comme dit l'apôtre Paul, que je vive ou que je meure. Como decía Pablo, que vivo que muera. Ma vie appartient à Christ. Le pertenece al Señor mi vida. Seigneur, apprends-moi à vivre et à vibrer pour toi. Enséñame, Señor, a vivir y a vibrar para ti. J'ai, il y a des années en arrière, fait partie du comité pour les pays de l'Est, à l'époque où il y avait le rideau de fer. Fui parte del comité de aquellos pastores que ayudaban en los países del este. Et des films nous parvenaient de l'église souterraine en Russie. Llegaban películas de aquellas iglesias subterráneas. Et je me souviens d'un film en particulier. Y recuerdo una en particular. Les chrétiens se réunissaient dans la forêt la nuit. Los cristianos se reunían en el campo, en il el bosque. Il faisait moins 10, moins 15, moins 20 menos de 20, la neige. Menos 20 grados con nieve. Mais ils venaient écouter l'évangile. Y venían a escuchar el evangelio. Ils recevaient la nourriture, celle qui remplit l'âme. Recibían lo que llenaba su alma. Et je me souviens que c'était un service de baptême. Y era un tiempo de bautismo. Ils étaient là dans le froid et la neige pendant des heures. Horas ahí en ese lugar con frío. Ils avaient fait un trou dans la glace. Hicieron un hueco ahí. Pour pouvoir baptiser les gens. Para bautizar a la gente. Ils ne disaient pas, je vais attraper la crève. No oh, pardonnez-moi, je vais attraper froid. No decían, me voy a resfriar. Ils disaient pas, oh, qu'est-ce que le culte est long. Oh, quel culto está largo. Ils ne pensaient pas au gigot qui était dans le four. No pensaban en la carne que iban a comer al mediodía. Mais ils vibraient pour le nom de Jésus. Pero vibraban por el nombre de Jesús. Ils étaient là parce que le Seigneur était là. Estaban ahí porque Dios estaba ahí ils con étaient ellos. Là parce qu'ils voulaient marcher avec le Querían Seigneur. Caminar con Jesús. Qu'en est-il de nous ce matin? ¿Y qué de nosotros esta mañana? Nous avons un travail. Tenemos un trabajo. Nous avons un toit. Tenemos un techo. Nous avons une salle chauffée. Tenemos una sala que podemos calentar. Vous êtes bien assis? Está bien sentado. Así soit-il. Así sea. Vous êtes bien assis? Está bien sentado. Vous êtes heureux? Está feliz. Vous pensez déjà à ce que vous allez manger ce midi? Ya está pensando en lo que va a comer al mediodía. Imaginez que je vous propose de jeûner ce midi. ¿Qué tal si ayunamos ah, ahora? Non, frère, c'est pas possible. No, hermano, no es posible. Je terminerai avec plusieurs points. Termino con algunos puntos. Beaucoup vivent l'Église comme ils vont au restaurant. Mucha gente vive en la iglesia como si fueran al restaurante. Ils choisissent l'endroit. Buscan el lugar. C'est comme ça, c'est pas moi qui l'ai écrit, mais le frère Barbero. Un hermano que escribió. Les gens du nord. La gente del norte. Vont à l'église au sud. Van al sur. Les gens de l'est. Del este. Vont à l'église à l'ouest. Van al oeste. Et c'est comme ça qu'il dit que la plus grande église le dimanche matin à Paris, c'est le périphérique. Y la más grande iglesia el domingo es el periférico. On choisit l'endroit. Elegimos el lugar. Ce qui nous convient. Lo que nos conviene. On regarde le menu. Vemos el menú. Faut des danses, faut de la musique. Baile, música. Faut des manifestations de toutes sortes. Manifestaciones diferentes. Il faut que le pasteur nous convienne. El pastor tiene que convenirnos. Qu'il prêche ce qui nous convient. Que predique lo que conviene. Que le pasteur soit in ou out. Que el pastor esté al día, podría ser. Surtout. Y sobre todo. Qu'il nous laisse faire ce qui nous semble bon. Que nos deje hacer lo que nosotros queremos hacer.
Si le culte ne me convient pas, si el culto no me conviene, je reste à la maison. Me quedo en mi casa. Je regarde le culte à la télé. Veo el culto en la televisión. Ça me rappelle une histoire. Recuerdo una historia. C'était une chrétienne qui était vraiment engagée avec le Seigneur. Una cristiana comprometida con Mais el son Señor. Mari n'était pas chrétien. Su esposo no era cristiano. Et un jour, elle a eu la grippe. Y un día tuvo la gripe. Alors elle a dit à son mari, écoute chérie, y le dijo, querido, si tu pouvais aller pour moi au culte, puedes ir al culto en mi lugar, pour pouvoir me rapporter tout ce que le pasteur va dire. Para traerme todo lo que el pastor va a decir. Et comme c'était un mari qui me ressemble, il a dit, bien je vais te faire plaisir, je vais aller au culte. Y como eso era un marido que se parecía a mí, pues fue al culto a hacerlo. Alors il est venu au culte, il ne connaissait pas l'église, mais il est venu pour sa femme. Vino al culto aunque no era cristiano por su esposa. Puis, il a vécu le culte. Vivió el momento puis, il est rentré culto, à la maison. Se fue a la casa. Alors sa femme l'attendait. Y su esposa lo esperaba. En disant, si ça se trouve, il s'est converti. A lo mejor se convirtió, pensaba la mujer. J'ai prié pour qu'il se convertisse. Oré para que se convirtiera. Mais quand il est rentré, il n'était pas plus converti qu'à l'aller. Pero no estaba no estaba convertido. Alors, comme il disait rien, y como no decía nada, sa femme lui a dit, mais tu t'as relevé ce qu'a dit le pasteur? Y qué dijo el pastor? Oh là là! Oh, il a parlé trois quarts d'heure. Habló tres cuartos de hora. Alors il en a dit des choses. Y dijo muchas cosas. Alors elle a essayé un peu de savoir. Elle a dit, est-ce qu'il a parlé du péché? Habló del pecado? Ah oui! Sí, sí, dijo. Et donc, à mon avis, il n'était pas pour. Para mí que no está de acuerdo con el pecado el pastor. Frères et sœurs, qu'en est-il de la soumission et de l'obéissance aux serviteurs de Dieu? Je pourrais poser la question. ¿En dónde estamos en someterse al siervo de Dios? N'en parlons même pas. Ni hablemos. C'est quand même pas lui qui va me dire ce que je dois faire. No va a ser él, no es el pastor que me dice lo que yo tengo que hacer. Il manquerait plus que cela. Faltaba menos. Je laisse de côté Hébreux 13, 17. Dejo de lado Hébreux 13, 17. Et je termine. Y termino. Si ce matin je vous posais cette question, si yo le hiciera esta pregunta esta mañana, serions-nous prêts à nous sacrifier pour notre Église? Estamos dispuestos a sacrificarnos por nuestra iglesia? Serions-nous prêts à tout partager pour notre Église? A compartir todo por nuestra iglesia? Est-ce que nous serions prêts avant tout à être là pour les autres? A estar aquí por otros. Et non pas pour nous-mêmes. Y no solo por mí. Est-ce que nous, ce matin, si je vous posais cette question, à ne pas réagir en fonction de ce qui vous concerne. Ni reaccionar según lo que nos concierne. Ou de ce qui vous convient. O lo que nos conviene. Mais si je vous parlais de gagner des âmes à Christ dans le quartier ici. Y qué tal si ganamos almas para Cristo. Sur Arcueil. En Arcueil. Sur Châtillon. En Châtillon. Sur Malakoff. Et je pourrais continuer. Y pudiéramos continuar con las ciudades. Seigneur. Señor, donne-nous un réveil dans le sud. Danos un avivamiento en el sur. Ma prière dernièrement était celle-ci. Mi oración ha sido esta, la Cela última. Ça fait 25 ans qu'on prie pour le sud de Paris. Señor, hace 25 años que oramos. Seigneur, envoie-nous le réveil. Señor, trae un despertar en la iglesia, un despertar aquí. Fais de grandes choses. Haz grandes cosas. Si je vous demandais, frères et sœurs, si je vous posais ces questions, que répondrez-vous? ¿Qué respondería usted si le hago estas preguntas? À moi, c'est pas gênant. A mí no me molesta. Mais moi, j'ai la nostalgie de la première église. Pero yo tengo la nostalgia de la primera iglesia. J'ai la nostalgie du premier temple. Del primer templo. Et je peux pas me résoudre à me réjouir de ce que je vis et de ce que je vois aujourd'hui. Y no puedo quedarme satisfecho con lo que vivo y con lo que veo hoy día. Seigneur. Señor. C'est à Antioche que pour la première fois les disciples ont été appelés chrétiens. En Antioquía le llamaron por primera vez a los cristianos cristianos. Et bien qu'aujourd'hui au culte en commun à évidence. Y que aquí hoy día en el culto unido. Les chrétiens prennent le nom de disciples. Podamos tener el nombre de discípulos. Que les chrétiens redeviennent des disciples. Volvamos a ser discípulos. Et dans le mot disciple, il y a le mot discipline, que ça nous plaise ou pas. Y en la palabra discípulo hay disciplina. Seigneur, nos guste o no. Fais-nous grâce. Señor, que tu gracia nos ayude. Et je terminerai avec une citation d'un de nos vieux pasteurs. Una citación de nuestros antiguos pastores para terminar. Si le chapeau vous va, mettez-le. Si les va el sombrero, póngaselo. C'est-à-dire si vous vous sentez interpellé.
En otras palabras, si usted ha sido confrontado, si vous vous sentez concerné, concernido con esta palabra, l'important aujourd'hui, lo importante hoy día, c'est que le Seigneur soit votre sauveur, que el Señor sea su salvador, soit votre maître, su maestro. Et le jour où vous quitterez la terre, y el día que usted regrese, se vaya con el Señor, vous le rencontrerez, estará con él. Vous savez ce que je dis toujours? Yo siempre digo, un chrétien ne meurt pas. Un cristiano no muere. Vous vous souvenez du cantique que je veux qu'on chante à mon enterrement? ¿Se acuerdan del cántico que quiero que canten cuando me muera? Mon Jésus, je t'aime. Jesús, te amo. Je te sais à moi. Eres mío. Amen. Et surtout, à cause de la dernière strophe, faudra prendre la bonne sur le vidéoprojecteur. Quand ma voix expirante ne s'entendra plus. Cuando ya mi voz expirante no se oiga. Et moi, on saura que ma voix, on ne l'entendra plus. Ya su voz mía. Sachez. No se oirá. Sepan. Que je chante. Que canto. Et là, je chanterai aussi bien que mon frère Abraham. Y cantaré como canta el hermano. Comme mon frère Abraham. Como el hermano Abraham. Voilà. Alléluia. Le chrétien ne meurt pas. El cristiano no muere. Mais il s'endort aux choses de la vie. Se muere a las, il s'endort duerme, ici-bas. Duerme a las cosas de este mundo. Si vous faites entrer mon cercueil ici, je ne le verrai pas. Si usted hace entrar mi tumba aquí. Mais ne pleurez pas, c'est pas moi qui suis dedans. No lloren, no estoy yo. Moi, ahí. Je serai déjà là-haut. Yo estaré en el cielo. Je serai déjà de l'autre côté. Del otro lado. Alors bien sûr, il y a la tristesse de la séparation. Está la tristeza de separarnos. Pardonnez-moi, j'ai de mauvaises pensées. Tengo un pensamiento malo, perdónenme. Est-ce que j'ai le droit d'avoir avec vous des mauvaises pensées? Puedo tener malos pensamientos. C'est vous qui me poussez. Hein? Usted me está empujando a tenerlos. Il y en a qui pleureront. Algunos llorarán. Et il y en a d'autres. Y otros. Je vous dis pas ce qu'ils feront. No sé, no les digo lo que van a hacer. Mais béni soit Dieu. Pero bendito sea Dios. Je veux être un chrétien de la première église. Quiero ser un cristiano de la primera iglesia. Je veux être un chrétien avec le tout ce qui s'est passé dans les premiers temps. Todo lo que sucedió en la primera iglesia. Quelque chose. Vivir algo. Seigneur, aide-nous. Señor, ayúdanos. Fais-nous grâce. Que tu gracia nos ayude. Amen. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci pour ta parole. Gracias por tu palabra. Merci pour ta vie. Oh, alléluia. Oh, Jésus soit béni. Alléluia. 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 J'avais envie de chanter un chant avec vous, ça serait faisable? Podemos cantar un cántico juntos. J'avais envie de chanter si tu bois au rocher, au torrent, pardon, merci, il te rafraîchira. Si tu bois au torrent, il te rafraîchira. On se lève. Que Dieu vous bénisse richement aujourd'hui. Et je voudrais vous dire, priez pour notre voyage à Madagascar. Oren por nosotros, Madagascar. C'est difficile d'arriver de Corée pour repartir à Madagascar, mais les choses sont comme cela. Así son las cosas de Madagascar o de pensez Seúl. À tous ces enfants qui n'ont aucune chance dans la vie. Piensen en esos niños que no tienen ninguna chance la en la seule vida. Chance, c'est nous. Nosotros somos su esperanza. Au niveau de ce que nous leur apportons. En lo que podamos dar a esos niños. Frères et sœurs, que l'Esprit de Dieu agisse. Que el Espíritu de Dios actúe. Dimanche prochain, il y a un invité. El próximo domingo hay un invitado. Le pasteur Christian Capron. Pastor Cristian. C'est un homme de mon âge. Es un hombre de mi edad. C'est un vieux pasteur des Assemblées de Dieu, mais il est jeune encore physiquement. Es joven físicamente, igual que yo. Ses ennemis sont désespérés. Sus enemigos están desesperados. Alors il vient avec beaucoup de joie. Recevez-le. Je vais vous dire ce que disait l'apôtre Paul. Recevez-le. Recíbanlo. Comme un ange qui vient du ciel. Como un ángel que viene del cielo. Amen. Amen. Vous serez là. Amen. Fidèle au poste. Amen. Géraldine. Bon, ça va. Alors on va chanter. Hein. Oui. Si tu bois au rocher. Il te rafraîchira si tu bois au torrent, tu te relèveras. Tu bois au torrent, il te rafraîchira si tu bois au torrent, tu te relèveras. Quand souvent sur la route, tu te sens fatigué, dans l'angoisse ou le doute, quand tu es tenté. Si tu bois au torrent, il te rafraîchira. Si tu bois au torrent, tu te relèveras. Si tu bois au torrent, il te rafraîchira.
amis, on a l'impression que vous allez à un enterrement. Marco, viens à la batterie, s'il te plaît. Il faut l'allumer aussi. T'as pas les baguettes ? Elle n'est pas branchée. Elle n'est pas branchée. Voilà, faut toujours être prêt. T'es toujours prêt, mais jamais là. Car ça va pas, ça. Alors, un tout petit peu plus énergique. Hein. C'est une bonne... Pardon. Plus haut ou plus... Si, oui, un tout petit peu. Si tu bois au torrent, il te rafraîchira. Si tu bois au torrent, tu te relèveras. Si tu bois au torrent, il te rafraîchira. Si tu bois au torrent, tu te relèveras. Quand tu bois sur ta route, tu te sens fatigué. Quand tu bois sur le monde, ou quand tu es tenté. Si tu bois au torrent, je vous mets 10 sur 20. Sur 20, sur 20. Et les messieurs, je vous mets 5 sur 10. On ne peut pas être les uns sans les autres. Une dernière fois. Si tu bois au torrent, il te rafraîchira. Si tu bois au torrent, il te relèvera. Si tu bois au torrent, l'amour de Dieu, la grâce qui est en Jésus-Christ et la communication de l'Esprit soient avec vous. Allez en paix. Amen. Bon retour à tous. Que Dieu vous bénisse.